La lecture occupe une place importante pour moi en ce moment pour l'université. Je dois lire pour chacun de mes cours, dans le fond, pour me tenir à jour, pour comprendre les concepts aussi. Même si je suis en comptabilité, c'est pas juste des chiffres. Puis aussi, pour essayer d'en apprendre plus sur, comme par exemple, Jean Béliveau avec ou comme d'autres anciens joueurs, soit des Canadiens ou des sportifs en général. Commencer jeune, c'est bon. Puis même si c'est pas des gros livres, en autant qu'on fait des petites lectures de temps en temps, c'est bon pour le futur. Quand je suis rentré à l'université cette année au mois de septembre, j'ai vu que la lecture a pris beaucoup de place dans mes journées. Je peux lire parfois plus que 2 heures par jour. J'ai commencé à aimer plus la lecture quand c'était moins rendu des lectures obligatoires puis que je lisais plus pour le plaisir. Par contre, je m'en souviens d'un en particulier, un livre qui s'appelle « 10 petits nègres » écrit par Agatha Christie. J'ai eu à lire ça en secondaire 3. J'étais vraiment intéressé. Puis à ce moment-là, je me suis dit « ouais, la lecture, c'est le fun. » Puis si tu lis quelque chose qui est intéressant, ça peut être vraiment bénéfique pour toi. Les choses que j'aime lire sont les faits vécus, les biographies puis des histoires de sport. Ça, c'est ça qui m'accroche puis qui va me garder accroché à la lecture. Je pense que c'est important de prendre le temps de le faire, que ça soit juste une couple de pages. Je pense que c'est très important parce que ça te garde ton cerveau actif. C'est un muscle, fait que ça le garde actif un peu. Bien, le message que je transmettrai aux jeunes, c'est de prendre cet outil-là pour peut-être les aider à avancer dans certaines situations que tu n'apprends pas à l'école. Je lis des livres que j'aime, des livres qui m'accrochent, qui font en sorte que ça me donne plus le goût de lire. Rends-toi sur le site de Ago On Lit pour découvrir ton profil de lecteur. Tu veux plus d'informations ou de nouvelles? Va sur le Facebook et Instagram de Ago On Lit.